sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Urbain. C'est un conseil d'administration composé de 9 membres qui sont officiellement installés ici. Cette cérémonie répond à une prescription légale qui marque un nouveau départ dans la gouvernance de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, exprimer la reconnaissance de la nation en général et celle de l'ensemble des usagers clients de la Caisse en particulier aux membres du conseil d'administration sortant pour la disponibilité et l'engagement dont ils ont fait montre tout au long de leur mandat. Par ailleurs, il me plaît à l'occasion de présenter mes chaleureuses félicitations aux membres de la nouvelle mandature pour leur brillante nomination au sein du conseil d'administration de la Caisse. L'autorité de tutelle insiste sur l'immensité de la tâche qui incombe à chaque nouveau membre de ce conseil. Je rappellerai tout simplement que vous aurez, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi portant code de sécurité sociale en République du Bénin, à examiner et à approuver, entre autres, les comptes d'exploitation prévisionnels et les budgets d'investissement prévisionnels établis par la direction générale. Les documents de fin d'exercice, à savoir inventaire, compte de résultats et bilan, rapport des commissaires aux comptes, rapport annuel du directeur général de la Caisse, etc. Il vous échoit également la lourde et noble responsabilité de définir la politique de l'institution, d'apprécier les résultats et de donner toutes les orientations utiles au pilotage et à l'administration performante de la CNSS pour les 3 années à venir, et ce, dans le strict respect des textes en vigueur. Ce conseil d'administration a un mandat de 3 ans, renouvelable une fois.